is an ordinary world. Somehow I have to find. And as I try to make my way to the ordinary world, I will learn to survive. Buongiorno, Ezio. Je suis content de vous voir, mère. Vous allez bien? Oui, très bien. Et toi? Est-ce que tu as récupéré de la nuit dernière? Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Allons bon. Ce n'est pas très grave. J'ai une course à faire. Tu veux bien m'accompagner? Avec plaisir. Bien. C'est à deux pas d'ici. J'ai appris que tu t'étais battu avec Vieri. Qui, moi? Oh, salve! Per piacere, ne joue pas ce jeu avec moi. Il disait du mal de nous. Je ne pouvais pas le laisser faire. Je pense qu'il a du mal à supporter les accusations qui pèsent sur son père. Francesco De Pazzi a de multiples facettes, et aucune n'est très plaisante. Mais jamais Bonjour. Je n'aurais cru capable de commettre un meurtre. Que va-t-il devenir? Je suppose qu'il sera jugé. Père sera-t-il témoin? Évidemment. C'est lui qui détient toutes les preuves. Tout de même, c'est dommage d'en arriver là. Tu n'as rien à craindre. Nous voulons tous que justice soit faite. Toute cette histoire est très regrettable, mais ce sera bientôt terminé. Nous y sommes. Bonjour, Leonardo. Madonna Maria. Voici mon fils, Ezio. Je suis très honoré. Tout l'honneur est pour moi. Laissez-moi aller chercher les tableaux. Je ne serai pas long. Il a énormément de talent. Je n'en doute pas. Pour profiter pleinement de la vie, il faut laisser sa créativité s'exprimer. Ah, si tu avais une vraie passion. Mais j'ai de nombreuses passions. Je ne parle pas de femmes, Ezio. Mère. Allons-nous chez vous à présent? Oui, oui. Ezio, aide Leonardo, veux-tu? Alors, Ezio, tu as un travail? Oui, il travaille avec son père. Ah, tu veux devenir banquier? Peut-être. Et toi, tu es artiste? La vérité, c'est que j'ai encore du mal à trouver ma vocation. J'aime la peinture, mais j'ai souvent l'impression que mon travail manque de... comment dire? De finalité. Comprends ce que je dis? Je voudrais que ma contribution soit plus concrète, plus directe. L'architecture, pourquoi pas? Ou l'anatomie? Je ne peux pas te satisfaire de simplement reproduire le monde. Je veux le changer. Oh! Merci pour ton aide, mon fils. Mais je ne voudrais pas te retenir. Tu as sûrement des choses à faire. J'ai été ravi de te rencontrer. J'espère te revoir bientôt. Moi aussi. Ezio, approche, mon fils. Ces paquets doivent être remis à certains de mes associés dans la cité. Il faut également que tu récupères un message envoyé par pigeon voyageur, c'est tout près d'ici. Va bene, je m'en occupe. Reviens me voir quand ce sera fait, nous devons discuter de certaines choses. Et je t'en prie, mon fils,
Surtout évite les ennuis. Hmm? Faites attention! Approchez! L'ami, je peux soigner vos oignons! L'urine de mouton et les gars. Tu es le fils de Giovanni? Non, idiota. On est juste tombé sur son sosie, par hasard. Donne-moi ça! T'inquiète pas, petit, on n'est pas contagieux. Enfin, je parle pour moi. Mon Dieu, il a perdu la raison? Vous avez besoin d'un docteur? Wendy? Hé, hey, par ici! J'ai un paquet de... Giovanni Auditore? Oui. On t'a suivi? Non. Pourquoi on m'aurait suivi? Donne-moi le paquet. Dis à ton père qu'il parte ce soir. Il devrait faire comme eux. Qui va partir? Que se passe-t-il ici? Hé, hey, revenez! Expliquez-vous! L'utilisation des fontaines de la République. Merci de ne pas utiliser de tabac dans les sources d'eau. Ces activités ne sont pas autorisées à l'intérieur de la cité. Les contrevenants devront payer une amende. Makefa, il a perdu la tête. Père? Federico! Sarezio! Oh, désolé, vraiment désolé. Que s'est-il passé? Où est ma famille? Ils ont emmené votre père et vos frères au palais de la Seigneurie. En prison. Et ma mère? Ma sœur? Ezio! Claudia! Tout va bien? Oui, mais notre mère... Elle est choquée. Elle... s'est débattue. Mais... Il faut partir d'ici. Vous pouvez les conduire en lieu sûr? Oui, oui, chez ma sœur. Bien, allez-y. Pendant ce temps, je vais aller voir mon père. Soyez prudents, Messer Ezio. Les gardes vous cherchaient, vous aussi. Attention,
La Seigneurie a appris que de jeunes hommes s'amusaient à escalader certains bâtiments de la ville. Cette activité n'est pas illégale en soi. Ne vous fâchez pas. Encore un aventurier. Je suis sûr. Sûrement une fausse. Je l'ai déjà vu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est là! Basta! Basta, dai! Lui, il a trop bu. Père, que s'est-il passé? Ils m'ont frappé, mais je vais bien. Dis-moi, où sont ta mère et ta sœur? À l'abri. Avec Annette? Oui, mais vous vous y attendiez, père? Je m'attendais à autre chose et pas si tôt. Ça n'a plus d'importance. De quoi parlez-vous? Dites-moi! Pas maintenant. Écoute attentivement, tu vas retourner chez nous. Il y a une porte cachée dans mon bureau. Tu la trouveras, je te fais confiance. Ensuite, tu verras un coffre. Tu dois prendre tout ce qu'il contient. Certains objets vont te sembler étranges, mais tous sont importants. Est-ce que tu m'as bien compris? Oui. Bien. Parmi ces objets, tu verras une lettre et plusieurs documents. Il faut absolument que tu les remettes à Messer Uberto. Tu l'as vu ce matin dans mon bureau. Le Gonfaloniere, je me souviens. Maintenant, dites-moi ce qui se passe. Est-ce coup des pazzi? Le pigeon avait un message pour vous qui disait... Va, Ezio. Tout de suite. C'était bonne cette année. En conséquence, le prix a augmenté de 12 florins par quintal.
père m'a dit qu'il y avait une porte ici. Ça, Messer Roberto. Traditore! Hé, rangez vos épées. Vous êtes censé m'arrêter, non? Non! Le voilà! Qu'est-ce que vous voulez? Seulement te tuer. Ça, ça ne risque pas d'arriver. Il y a forcément une autre solution. Non, il n'y a pas d'autre solution. Je suis désolé. J'ai oublié de... La Corporation des banques. La qualité de nos munitions est reconnue dans le monde entier. C'est notre... Tu vas mourir. Ah, si c'est trop bien. Voilà. T'es à moi. Nous apprécions ce que vous faites pour nous, amigo. Mia! Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît! Laissez-moi tranquille, il n'y a rien fait! Mia! Ton comportement est indigne! Ezio Auditore? Que fais-tu ici, jeune homme? Ils ont... Du calme. Reprends ton souffle. Ressaisis-toi un peu. Mon père et mon frère sont en prison. On m'a dit de vous donner ceci. Ah. Je comprends ce qui se passe. C'est un simple malentendu, Ezio. Je vais tirer ça au clair. Comment? Les documents que tu m'as remis, ils montrent qu'il s'agit d'un complot contre les membres de ta famille et cette cité. Je produirai ces preuves demain matin lors de l'audience, et ils seront libérés. Merci, signore. C'est normal, mon enfant. Tu as besoin d'un endroit où dormir? Tu es le bienvenu dans ma demeure. Non, grazie. Je vous verrai sur la place. Ne t'inquiète pas, Ezio. Je t'assure que tout va s'arranger. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît! Bonjour. Nous sommes fiers de proposer des articles d'excellente facture. Attendez un moment. Là-bas! Là-bas, c'est lui! Vous pouvez plus y aller! J'ai un élixir fait à partir de plomb et de betterave. Wandy. C'est ma faute. Excusez-moi. Un condottiero? Ah, je le connais. Là-bas! Tu ne peux pas fuir! Stand! Les habitants de Pise se sont rassemblés en masse pour défier une nouvelle fois Florence et afficher leur mépris. Des jeunes hommes de la ville auraient même montré leur postérieur. Je n'ai rien à voir avec ça, parfait! Laissez-moi partir! Non, je veux pas mourir! Je
Je ne sais pas ce qui se passe. Giovanni Auditore, vous et tous vos complices, comparaissez devant nous pour répondre d'une accusation de trahison. Pouvez-vous produire des éléments susceptibles de vous blanchir ? Oui, tous les documents qui t'ont été remis la nuit dernière. Malheureusement, j'ai peur de tout ignorer de ces documents. Il ment ! Je dois me rapprocher. En l'absence de preuves irréfutables de votre innocence, je n'ai d'autre choix que de vous déclarer coupable. Vous et tous vos congénères êtes par la présente condamnés à mort. C'est toi le traître, Uberto. Tu es l'un d'entre eux. Tu peux prendre nos vies aujourd'hui, mais nous prendrons la tienne en retour. Je le jure. Père ! Là-bas, ce jeune homme, il est de leur famille. Vous le paierez de votre vie. Garde, arrêtez-le. Éliminez-le. Tu dois t'enfuir, petit. Et vite. Le voilà, là-bas. Attrapez-le. Ces rebelles traditionnels sont basés dans le credo. Buona giornata. J'ai une faveur à te demander. J'ai remarqué la présence de plusieurs symboles étranges un peu partout dans l'Italie de la Renaissance. Je ne sais pas pourquoi ils sont là, et c'est ce que je voudrais comprendre. Rebecca a marqué leur emplacement dans la base de données en utilisant de petites icônes brillantes en forme d'œil. Tâche de les repérer. Saletio, Dieu merci. Je vous ai cherché partout. Je n'ai pas pu les arrêter, Annetta. J'ai essayé, je le jure. Mais les gardes étaient trop nombreux. Les runes sont pas sûres. Venez avec moi, vous ne devez pas rester là. Comment vont ma mère et ma sœur ? Elles vont bien. Nous allons les rejoindre. Non, ce serait trop dangereux de rester ensemble. Dites-moi où elles sont, je vous retrouverai là-bas. Elles sont chez ma sœur. Sa maison est au nord du dôme. Je me mets en route. Sont les trésors de la sagesse arabe. Mes fruits ! Vous ne m'avez rien à dire, pourquoi est-ce que j'ai juste trop de temps ? Oui, tout bien, hein ? Encore un étranger. Je le connais. Ne faites pas ça. Bonjour. Lui, il a trop bu. Quel accoutrement. Ce genre d'exercice ne me ferait pas de mal, en fait. Oh.
Ce visage ne m'est pas jamais. Il devrait aller se soulager au lieu de faire ça. Je crois qu'on s'est trompé d'endroit. Non. Non, c'est ici. Je suis heureuse de faire votre connaissance, Messer Ezio. Annetta m'a dit beaucoup de bien de vous. Je comprends pourquoi. Vous êtes bien trop aimable, Madonna. Je t'en prie. Appelle-moi Paola. Je vous remercie d'accueillir ma famille, Paola. C'est le moins que je puisse faire. Tu dois être fatigué. Tu ne veux pas... Non, grazie. Je dois partir. Quoi? Mais où vas-tu? Tu es Uberto Alberti. Je comprends très bien que tu veuilles te venger, mais le Gonfaloniere est un homme puissant. Tu n'es pas un assassin, Ezio. Épargnez-moi vos discours. Mais tu pourrais le devenir. Et c'est vous qui allez m'apprendre à tuer, peut-être? Non. Mais par contre, je peux t'apprendre à survivre. Viens. Dans mon métier, la discrétion est primordiale. Nous devons nous déplacer librement dans les rues, vus sans être vus. Toi aussi, tu dois apprendre à passer inaperçu, à te mêler à la foule comme nous le faisons. Mes filles vont te montrer comment faire. Quelle tenue extravagante. Ça me fait penser. Il me semble que qu'est-ce qu'il a là-bas. Hey, il a aucune chance. J'ai vu. C'est ça, vas-y. Foutre-le. Dans mon métier, la discrétion est primordiale. Nous devons nous déplacer librement dans les rues, vus sans être vus. Toi aussi, tu dois apprendre à passer inaperçu, à te mêler à la foule comme nous le faisons. Mes filles vont te montrer comment faire. On va bien s'occuper de toi. Salute a voi! Buona giornata. Jolie capriche.
Buongiorno. Il est un bon tailleur, celui-là. Bene, tu as appris à passer inaperçu. Je vais te montrer que cela ne sert pas uniquement à se déplacer. Tu peux aussi dérober discrètement l'argent des passants. Au voleur ! Au voleur ! Une fois que tu as dérobé quelque chose, Ezio, ne t'attarde pas. À l'aide ! Je vous en prie, arrêtez cet homme ! Fais attention, tu dois t'enfuir après leur avoir fait les poches. Laissez-nous, les filles. Oh, c'est dommage. Si innocent. Il est mignon. Maintenant que tu sais comment t'approcher d'un ennemi, il ne nous reste plus qu'à te trouver une arme. Et que voulez-vous que j'utilise ? Ah, mais tu connais déjà la réponse. Hé, hey, la lame et le brassard de mon père. Comment les avez-vous eus ? J'ai appliqué les techniques que je t'ai enseignées. Je crains qu'il ne soit en mauvais état. Je suppose que tu as déjà rencontré Leonardo da Vinci. Si, mais en quoi un peintre pourrait-il m'aider ? Il est bien plus que ça. Apporte-lui ces objets, tu verras. Avant de partir, puis-je vous poser une question ? Bien sûr. Pourquoi m'avez-vous apporté votre aide à moi, un inconnu ? Moi aussi, j'ai été trahi. C'est une mascarade! Il est sûrement à la solde d'un noble. Quelle extravagance! Ah, il est plutôt... Le voilà! Là-bas! Là-bas! Le voilà! Oh, ah, la question! Fais-moi confiance! Oui, continuez! Au tas-toi! Écartez-vous! Quelle tenue extravagante! Où est-ce qu'on va l'apporter un moment? La seigneurie, je suis dans le nouvel hôtel de ville qui sera érigé près de Santa Maria Novella. J'ai jamais vu une cape comme celle-là. Moi, tu cherches à fuir! Celui-là, je suis super à voir! À ceux qui trouveraient mes articles prochains, attention, je vais sûrement quelque part! Rien ne vous oblige à faire ça. Une fois que vous serez passé entre les mains de Baldassare et le Tégal, vous ferez mourir. Parfait. Il se dirige droit vers nos quartiers. Il faut que je retrouve. Avertissement concerne l'utilisation des fontaines de la République. Merci de ne pas utiliser de teinture dans les sources d'eau.
ces activités ne sont pas autorisées à l'intérieur de la cité. Les contrevenants devront payer une amende. Ah, là, attrapez-le. Luigi, merde, je ne vois plus. C'était un accident, mais c'est... Il ferait mieux de se tenir tranquille. Ezio Auditore, je ne m'attendais vraiment pas à te revoir. Après tout ce qui s'est passé... Ah, j'en oublie les bonnes manières. Sois le bienvenu. Bien, dis-moi, que puis-je faire pour toi? Est-ce que tu pourrais m'aider à réparer quelque chose? Bien sûr. Viens, par ici. Ah, quel désordre. Une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Je vais faire un peu de place. Très bien, voyons ça. C'est fascinant. C'est étrange, Ezio. C'est assez ancien. Et c'est pourtant très perfectionné. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Et j'ai bien peur de ne rien pouvoir faire sans les dessins d'origine. Je suis désolé. Attends un peu. Mais qu'est-ce que tu fais? Tout ce qui figure sur cette page est codé. Mais si ma théorie est exacte, et si j'en crois ces dessins, il pourrait bien s'agir de... Il pourrait bien s'agir de quoi? Assieds-toi. Leonardo, je... Remarquable. Si on intervertit les lettres et qu'on n'en garde qu'une sur trois... Voilà, j'ai terminé. Hein? Terminé quoi? La lame. J'ai compris comment déchiffrer ton parchemin. Il contenait toutes les instructions. Bien, il ne me reste plus qu'à couper ton annulaire. Tu plaisantes? Désolé, mais... Tu ne pourras pas y échapper. Il faut s'assurer que l'engagement de celui qui manie la lame est bien réel. Ben, mais fais vite. Je te fais marcher, Ezio. Autrefois, un sacrifice était bien nécessaire, mais plus maintenant. Tu peux garder ton doigt. Incroyable. Oui, en effet. Dis-moi... Tu as d'autres pages comme celle-ci? Désolé, c'était la seule. Écoute, si par le plus grand des hasards tu en trouvais une autre, alors apporte-la-moi. Je n'y manquerai pas. Et merci d'avoir réparé ça. C'est... Par ordre de la garde florentine, ouvrez cette porte! Un petit instant. Reste ici. Êtes-vous Leonardo da Vinci? Oui. Que puis-je faire pour vous? J'ai quelques questions à vous poser. Très bien. Dites-moi ce qui vous amène. Un témoin a rapporté vous avoir vu conspirer avec un ennemi de notre cité. Quoi? Moi? Conspirer? C'est grotesque. Quand avez-vous parlé à Ezio Auditore pour la dernière fois? Qui? Ne jouez pas au plus fin avec moi. Nous savons que vous étiez un proche de la famille. Je connais un moyen de vous rafraîchir la mémoire. Ah! Vous allez parler? Je dois continuer? Ah! Tu vas... Grazie, Ezio. Je suis désolé. Ah, ce n'est pas la première fois qu'il me maltraite. Que fait-on du corps? Mets-le à l'intérieur avec les autres. Les autres? La ville me donne des corps pour mes recherches. Thank you.
Attention, vous allez blesser quelqu'un. Oh, attention. Là-bas. Vois, il ne s'est rien passé. Merci, Leonardo. Merci pour tout. Je t'en prie. Et n'oublie pas, si tu trouves d'autres exemplaires de ces pages, apporte-les-moi. Si elles contiennent de nouveaux dessins, je pourrais même améliorer ta lame. Promis. Maintenant, je dois retourner auprès de Paul. Présente-lui mes hommages. Un élixir fait à partir de plomb et de betterave, idéal pour le foie. Très bien, revenez quand vous voulez. Quelle tenue extravagante. D'où vient ? Je vous présente toutes mes excuses, mais c'est... Un marchand ? Je m'en vais. Non, il en a pas l'air. Vient-il celui-là? J'ai déjà vu. Mais où est-il? Eh bien, tu en as mis du temps. Leonardo adore parler. C'est bien vrai. Mais vous n'avez pas fait que parler, j'espère. Je t'ai apporté le savoir-faire. Leonardo t'a apporté la lame. Il ne te reste plus qu'à agir. Où puis-je trouver Uberto? Si j'en crois mes filles, il assistera à la présentation des œuvres de Verrocchio ce soir. Elles seront exposées au cloître de Santa Croce. Veillez bien sur ma mère et ma sœur pendant mon absence. Rassure-toi, Ezio. Ta famille est entre de bonnes mains. Bonjour. Dio mio. D'où est-ce que vous venez? C'est... Il est là! Laissez-moi partir! Bonjour. Madre Santa, je dois filer! Voleur! Toi, tanné! Cet acte ne restera pas impuni! Tu oses voler un mort! Là-bas! Jésus, je vous en prie. Forza, forza. Salve. Thank you.
Alfonso. Pas le droit d'aller là-haut. Va-t'en. Descends. Tu n'as pas le droit d'aller là-haut. Va-t'en. Nous en avons déjà parlé. Vous avez dépassé les bornes, Huberto. Vous ne manquez pas d'audace. C'est vous qui me faites la leçon? Vous, Lorenzo de Medici, qui vous êtes autoproclamé prince de Florence? Vous déraisonnez. Évidemment. Vous êtes innocent. C'est un peu trop facile. Enfin, cela nous aura au moins montré que votre pouvoir est tout à fait négligeable, si tant est que ce pouvoir existe. C'est un constat riche d'enseignements pour moi, comme pour mes alliés. Oui, vos alliés les Pazzi. Car c'est bien d'eux qu'il s'agit. Je vous conseille de surveiller vos paroles, Lorenzo. Vous devriez éviter d'attirer l'attention sur vous. D'une saignée, j'ai des sangsues toutes fraîches. Mes respects aussi. J'espère que vous passez une bonne soirée. Tout à fait. Après l'affaire à Auditore, un peu de distraction est la bienvenue. Moi qui considérais Giovanni comme mon propre frère. Vous n'avez rien à vous reprocher. Vous ne pouviez pas savoir ce qu'il manigançait. Le nom de ce traître ne doit plus figurer nulle part. Il faut oublier jusqu'à son existence. Oui, je veille. Maintenant, je vous prie de m'excuser. Roberto, est-ce que vous auriez un moment? Pour vous toujours, Beatrice. Alors, racontez-nous, qu'est-ce que ça fait de devenir un héros? Je vous en prie, vous me faites trop d'honneur. En tant que golf... Il est de mon devoir de m'assurer que Florence reste le symbole de la justice triomphante. Et tant que cette responsabilité m'incombera, je puis vous assurer que jamais la corruption ne gangrènera notre cité. Toi ? Tu aurais fait la même chose pour protéger ce que tu aimes. Oui, tu as raison. Et c'est ce que j'ai fait. Les Auditori ne sont pas morts! Je suis toujours là! Moi! Ezio! Ezio Auditore! Espèce d'idiot! Assassino! Tu ne peux pas semer tous les gars! Oh non! Il va nous semer! Bondi! Là! Attrapez-le!
s'est en... Aidez à moi! Le feu est très loin. Trouvez-le. Il est là! Allez! J'ai jamais... Je vais la voir! Oh, diable! Cela ne me concerne en rien! Hé, hey, laissez-moi! Je me trouve toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Ça devient beaucoup trop dangereux. Si, si, bravo, bravo! Porta! Porta! Joue à filet! Presto! Presto! Laissez-moi partir! Bien joué! Venez, mes amis! Cette semaine, tous mes prix sont sacrifiés! Je ne vois plus nulle part! Qui voyait ça? Où est-ce que vous venez? Mais qu'est-ce qui lui prend de faire ça? Quoi? Je ne veux même pas savoir. Il est là! Il faut l'arrêter! Attendez, je rêve! C'est pas possible! C'est du code informatique! Je vais le recompiler. Ah, bon sang, le fichier est crypté! Envoie-le sur mon ordinateur, je vais le décrypter. Ah, je voudrais bien, mais il n'est compatible qu'avec l'Animus. Alors envoie-le à Desmond! Je n'arrive pas à le croire! Bonjour. Je suis... Il m'appelle le sujet 16. Écoutez-moi bien, j'ai pas beaucoup de temps. Il y a quelque chose que je dois absolument vous montrer. Depuis le début, nous vivons dans l'illusion. Tout ce que nous savons, tout ce que nous avons appris, tout est faux. Je peux prouver ce que j'avance. Tout est dans le fichier que j'ai transféré. Mais je l'ai découpé en 20 segments. Et chaque segment est verrouillé par un code. On n'est jamais trop prudent. Isabelle... Non, non. Oh, la reine Isabelle. C'était en... Oh, oh. On est en quelle année déjà? Oh, peu importe. J'ai caché le code du premier segment dans ce programme. Trouvez-le. Trouvez les autres. Et alors, vous connaîtrez la vérité. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait dans l'Animus? Oh, je sais! La mémoire centrale d'Absurgo. On a transféré les données du sujet 16 dans l'Animus 2.0. Il a dû s'introduire dans le système quand Vidic l'a laissé seul entre deux sessions. Attendez une minute. Alors les symboles sur les murs d'Absurgo, ceux qui ont été écrits avec du sang, c'était des indices. Ils voulaient qu'on les cherche à l'intérieur de l'Animus. Thank you.
Bravo, bonjour. Vraiment. Il vaut mieux que je quitte Florence. Où vas-tu aller ? Mon oncle Mario a une maison à Monteriggioni. Tu es toujours recherché, Ezio. Que puis-je faire contre ça ? J'ai vu des avis de recherche dans le quartier. Arrache-les et les habitants oublieront ton visage. Les crieurs publics vont monter les foules contre toi. Si tu les soudoies, ils parleront d'autre chose. Tu peux aussi traquer ceux qui ont porté un faux témoignage contre toi. Ils ont menti pour de l'argent, après tout. Personne ne pleurera leur mort. Remplis l'une de ces missions et tu pourras quitter la cité. J'ai prévu une routine chargée de vérifier ta notoriété. Ce petit indicateur t'aidera à te situer sur une échelle qui va d'incognito à notoire. Il t'aidera à agir en connaissance de cause. Cet indicateur te dira également si le niveau de notoriété fait partie du souvenir d'Ezio. Par pitié, ne me tuez pas! Je vous en conjure! Mais c'est de la folie! Je dois partir! Oui, c'est ça! Je dois partir! Oh, il a volé un mort! C'est horrible! Je ne peux pas mourir! Je ne reste pas ici! Mais c'est de la folie! Ah, te revoilà, Ezio. Alors, tu as réussi? Oui. Mère? Ezio! Mais où étais-tu? On nous empêche de partir. Et mère, ah, elle ne parle plus depuis que nous avons quitté la maison. Mais je sais que père va tout arranger. Où est père? Et Federico? Et Pedruccio? Hmm? Je n'ai rien... rien pu faire. Que veux-tu dire? Non, c'est impossible. Claudia... Non, 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 non. Tu sais, j'ai tout essayé, piccina. Écoute, ce qui compte maintenant, c'est de trouver un endroit sûr. Mais pour m'aider, il faut que tu aies les idées claires. Est-ce que tu comprends? Bien, tu peux veiller sur notre mère? Alors, nous sommes prêts. Encore merci. Merci pour tout. Sois prudent, Ezio. Reste vigilant. Tu as encore beaucoup de chemin à parcourir. Avec moi. Va-t'en, chien! Le champion ici s'attarde, au comble de la joie nous sommes. Auriez-vous perdu la raison? Par ici, allons-y. Con.
Oh, de l'eau. Ça, ça me plaît. Oh, de l'eau. Des pièces. Oh, merci, mon Dieu. Oh, de l'eau. Oh, merci, mon Dieu. Y'a rien à faire ici. Oh, de l'or, de l'argent. Venez avec moi. C'est de l'argent. De l'argent. Allez, mon mignon. T'aurais pas envie de te distraire un peu? Restez près de moi. En avant. Pourquoi est-ce que ça nous arrive à nous? Je ne sais pas. Est-ce qu'on reviendra un jour? Je ne sais pas. Suivez-moi. On va nous prendre notre maison? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont eu une sépulture décente? Oui. Bien sûr. Nous y sommes presque. Grazie a Dio. Avec moi.